It is News O'Clock, time to bring to you news around Cameroon and around you. Our top stories: touchdown Yaoundé in a few hours. Cameroon's most anticipated guest, President of the Republic of France, Emmanuel Macron, is expected at the Yaoundé Simaleng Airport in a few minutes. Our reporter on ground, Olivier Mbouzike, measures the temperature of Yaoundé city dwellers ahead of this anticipated visit. Also, change of program as he will be spending 2 days rather than the initial 3 days. Details with Mireille Siapche. And clash of opinions ahead of French president's visit to Cameroon as the Unions for Cameroon's Populations Party and other political parties are skeptical and see very limited impact on Cameroon's political and economic landscape as a result of the French president's visit. According to them, this is the list of Cameroon's problems. And those are our top stories. Hello, viewers. Good evening. Thanks for watching tonight's primetime Balingue newscast on Spectrum Television, our very first element in the French language with Dipita Tongo. Good evening, Dipita. Bonsoir, Joséphine Binzi. Madame, Monsieur, bonsoir. Votre formidable fidélité nous honore. Plus que quelques heures, et l'Airbus transportant le président de la République française, Emmanuel Macron, atterrira à l'aéroport international de Yaoundé, Simaleng. Ce sera le premier acte de la visite officielle de 24 heures finalement, prévu dans nos murs. À Yaoundé, la capitale politique, c'est la grande toilette sous fond de remue-ménage. Trottoirs, routes et autres coins reçoivent depuis plusieurs jours un coup de neuf. Maisons démolies, peintures rafraîchies, sécurité renforcée, rien n'est laissé au hasard dans cette ville désormais parée aux couleurs des deux pays. Olivier Bouzique, Thierry Honda. La ville de Yaoundé, à quelques heures de l'arrivée d'Emmanuel Macron, l'itinéraire du président français a subi un nettoyage complet. Des banderoles ont été installées à chaque coin pour souhaiter la bienvenue aux invités. Les drapeaux français et camerounais flottent de gauche à droite, particulièrement autour de l'hôtel Hilton, où Emmanuel Macron va séjourner pendant 3 jours. On a des problèmes de hausse des prix d'aliments, le carburant. Si son arrivée peut résoudre ces problèmes, je serai content. Pourquoi pas une aubaine pour négocier déjà de nouveaux accords et aussi pour créer, pourquoi pas, notre propre monnaie? Chaque panneau publicitaire est exclusivement dédié au message sur la coopération France-Cameroun et ses retombées. C'est peut-être pour venir mettre sur pied le prochain remaniement ministériel et aussi organiser peut-être les prochaines élections présidentielles. Sur le plan sécuritaire, policiers et gendarmes quadrillent la ville depuis quelques jours. Des patrouilles mixtes sillonnent chaque artère. Elles seront appuyées par des équipes de la garde présidentielle. Snipers, infanterie, cavalerie, chiens renifleurs seront associés à l'opération. S'il vient pour nous spoiler davantage, vraiment ça ne vaut pas la peine. Nous espérons qu'il est là pour aider les citoyens camerounais. Prenez un peu le tronçon qui va chez M. Yannick Noir, où il va rendre visite. Ce tronçon-là a été refait à zéro, simplement parce que le président viendra passer par là. Mais après son passage, que va devenir cette route? Après son passage, que va devenir le pays? Le pays souffre pas pour les problèmes, nous avons nos problèmes. En prélude à cette visite, des démolitions ont été effectuées dans plusieurs quartiers de la ville pour présenter un visage plus reluisant de la capitale camerounaise au président français. Modification de dernière minute dans le programme officiel de la visite qu'effectue Emmanuel Macron au Cameroun, parti pour durer 48 heures. C'est finalement en 24 heures que les étapes du voyage seront ravalées. Arrivée prévue ce lundi à 22h à l'aéroport international de Yaoundé Simaleng, Emmanuel Macron quittera le Cameroun demain mardi à 23h. Les grandes lignes de cette étape du voyage africain du président français avec Mireille Siabzé. Le séjour du chef de l'État français en terre camerounaise sera couronné d'un programme marathon de moins de 48 heures. Déjà, il arrive en terre camerounaise ce lundi 25 juillet 2022 aux environs de 22 heures où il sera reçu à l'aéroport international de Simaleng par son homologue camerounais, le président Paul Biya, avant d'être conduit dans ses quartiers au Hilton Hotel. Le lendemain, mardi 26 juillet 2022, à 9h20, départ du président de la République française en cortège automobile pour la résidence de France. 9h30, échange avec des représentants camerounais et français des sociétés civiles.
11h, début des travaux des trois tables rondes au Club Noir auxquelles participent des représentants des sociétés civiles camerounaises et françaises et de Genève sur place. À 11h30, départ du président français pour le palais présidentiel. Au programme, un entretien tête à tête avec le président de la République française et son excellence Paul Biya, président de la République. Échange de cadeaux, de protocole à protocole. 13h, conférence de presse du président français avec Paul Biya, le président de la République camerounaise. Ce même mardi 26 juillet, 13h30, 16h30, déjeuner suivi d'une réunion de travail sous l'égide de M. Olivier Bèche, ministre chargé du commerce extérieur, de l'activité des Français de l'étranger, consacré à la sécurité alimentaire et au rôle du secteur privé. À 15h45, des propos exclusifs du président de la République française à la réunion consacrée à la sécurité alimentaire et au rôle du secteur privé. Et à 22h30, le chef de l'État français quittera le Cameroun. Talking France and Cameroun's collaboration as regards to the security situation in Cameroon, Spectrum Television Newsroom takes us down memory lane on France's involvement on the security issues in Cameroon from Boko Haram in the far north and the Anglophone crisis in the northwest and southwest regions with Catherine Kone. France has been one of the key partners in the modernization process of Cameroon's defense and security systems. In 2015, the President of the Republic of Cameroon, Paul Biya, granted audience to the French Foreign Minister, Laurent Fabius, at the Unity Palace where they spent, as discussing the support France is giving to the country and other countries of the regions that are victims of the savage attacks of Boko Haram terrorist group. In 2016, France donated military hardware to the Cameroonian armed forces as part of the efforts aimed at combating the Boko Haram insurgent sect. The donation was a second transfer of material support that year and was part of the bilateral Franco-Cameroonian military cooperation, reinforced by the signature of a defense partnership agreement on May 21, 2009. President Emmanuel Macron's country offered 10 French-made tactical vehicles, 5 transport trucks, an ambulance and some military tools to the Cameroonian authorities. The vehicles were equipped with weapons and transmission equipment and accompanied by precision rifles, helmets and bulletproof vests. France has also been providing training to the Cameroon Defense Forces. In 2019, President Emmanuel Macron and President Paul Biya met in a tête-à-tête in Lyon to discuss defense and security matters. The French president appreciated the head of state's successful organization of the national dialogue. He reassured France support actions aimed at ensuring the return to peace and security in Cameroon. Despite France's support in the fight against insecurity in the country, Cameroon has continued to record enormous attacks. Cameroonians are hoping President Emmanuel Macron will have an in-depth discussion with the head of state on how to tackle the ongoing crisis in the country. France and Cameroon share enormous bilateral and diplomatic ties, but so many instances have both countries found themselves on an edge which questions the relationship they share between them. Oni Ladonet takes us down what has happened between France and Cameroon in the following report. The historic and excellent bond shared between Cameroon and France has long been blissful. But some events witnessed in recent years has raised questions on the sincerity of their relationship. On Saturday, January 26, 2019, the consular services at the Cameroonian embassy in Paris was suspended following acts of vandalism perpetrated by protesters. It was reported that 50 protesters invaded the embassy in Paris before ransacking the place, pulling down the head of state's picture. A protest that was in solidarity with those back in Cameroon. Another instance which provoked tensions between France and Cameroon is Emmanuel Macron's controversial remark that set off a firestorm on February 22, 2020, when he promised to exert maximum pressure on the father of the nation to bring Cameroon's intolerable violence to an end. This came after he was confronted by an anti-Biya activist, Calibri Calibro, at the Paris Agricultural Salon. His utterances were termed condescending, provoking many Cameroonians to stage a protest in front of the French embassy in Cameroon, demanding an apology. In response, the French president's press office expressed France's evident resolve
to de-escalate tensions between Yaoundé and Paris. Another turning point in the diplomatic and political ties is a continuous protest staged by the French Cameroon anti-BIA activist Bass. On November 12, a group of complainers stood guard at a hotel suspected to be hosting the head of state Paul Biya, chanting protest songs. This is not the first time such has happened, as the Bass group had made it a habit of staging protests whenever the head of state is abroad. La coopération économique entre la France et le Cameroun est diversifiée et dynamique. Elle regorge de nombreux investissements dans plus d'un secteur. Infrastructure, agriculture, téléphonie, brasserie, énergie ou agroalimentaire. La France est le deuxième fournisseur du Cameroun et le septième client de notre pays. Si les exportations stagnent et les importations baissent entre nos deux pays, il reste que le Cameroun, le pays d'Emmanuel Macron, impacte l'économie camerounaise. Jean-Marie Biada est économiste. Il ressort les grands traits de cet échange dans ce reportage de Oriane Donquin et Nono Foutu. Jacques Rueff disait « Le destin de l'homme se joue sur la monnaie ». Force est de constater que le franc CFA, produit par la France, est utilisé en zone CEMAC, aux Comores et en Afrique de l'Ouest, mais n'est pas interchangeable entre ces zones. Ce qui est comme le sang dans l'économie, ça s'appelle la monnaie, jusqu'à date est encore détenue par la France. Et davantage, pour acheter à l'international, si vous sortez avec le franc CFA, ça ne s'achète pas. Vous allez en Inde, on ne prend pas. Vous allez au Japon, on ne prend pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il vous faut des devises. Et les devises, maintenant, nous les obtenons comment? En produisant et en vendant à l'international. C'est quand nous vendons la banane à l'international qu'on nous paye en dollars. Ces devises-là sont centralisées, non à la Banque de France, mais plutôt au Trésor français. Ça veut dire quoi? Nous travaillons, tout ce que nous faisons ici en titre d'exportation, ça appartient à la France. Toutefois, la France a été pour beaucoup dans l'implantation des rudiments qui fondent l'économie camerounaise, notamment l'ouvrage de franchissement qui permet d'établir le lien entre la zone de production et de consommation. Le pont sur le Vouri, nous sommes en 51 jusqu'à 55, construite par une entreprise, les Batignolles de France. Mais j'ai été déçu de constater qu'en 2015, donc plus de 50 ans après, lors de la pose de la première pierre du deuxième pont sur le Vouri, que ce fut encore des entreprises françaises, un groupement d'entreprises françaises. Sur le plan agroalimentaire, boissons gazeuses et alcooliques, la banane plantain et même le médicament portent l'estampille France. Dans le domaine de la banane douce, le Cameroun à un moment dominait le secteur avec la Cilicie. Mais avec ce qui est arrivé, la Cilicie a battu de l'aile et la France est passée en tête avec la société fruitière de Marseille qui donne la banane, dont si on dit 200 000, eux ils ont au moins la moitié à offrir sur le marché international. Depuis 1948, je dis bien 1948, la deuxième guerre mondiale venait à peine de finir, ça faisait 3 ans. Il y a un monsieur qui est installé au Cameroun qui s'appelle Laborex. C'est français, c'est 80% des parts de marché. L'énergie n'est pas en reste. Ce secteur est également dominé par le pays d'Emmanuel Macron. Pendant très longtemps, nous avions seulement ici Total. On avait, quand j'ai dit Total, on avait également Shell, on avait BP qui a disparu, on a eu Texaco qui a disparu. C'était Elf, mais Elf qui est le plus petit a eu absorbé Total. Mais la France est restée à travers Total comme un partenaire majeur. Ils appellent ça les GPP, Groupement Professionnel des Pétroliers. Donc ce groupement-là est encore resté. Selon cet économiste, à ce jour, la France est extrêmement présente dans l'économie camerounaise. Cette réaction de Nidjon Frundi à l'occasion de la visite du président français au Cameroun. Le SIF demande au président Biya de respecter, protéger et défendre la souveraineté du peuple camerounais en ce qui concerne l'abrogation du pacte colonial de 1959 avec ses amendements et annexes. Le problème anglophone, la question de la devise, le processus électoral et la reconnaissance par la France de sa responsabilité dans la disparition des héros nationalistes et autres compatriotes. C'est donc la substance d'un communiqué signé par le président national du SIF, Nidjon Frundi. La suite avec vous, Joséphine Binzi. Of course, Dipita, we now still talk reactions from the UPC party. In a press release signed by the Secretary General of the Union de Population of Cameroon, in its French acronym UPC, His Excellency President Emmanuel Macron is very much welcome as the party sets a reminder that diplomatic relations between France and Cameroon must be built on human dignity, just like the colonial period. For the party, a better relationship between Cameroon and France will be
built on transcending the myths of mistrust, demeaning strategies of nationalism and denial of the African people's dignity and, other words, of the African sovereignty. France must work with other African political landscape for the positive liberty and equal fraternity, signed Honorable Bapo Lipot, Robert, Secretary General of the UPC Party. And in the same light, we have reactions from the civil society and members of the opposition parties since the announcement of the French president's official visit to Cameroon. The opposition party has stance and is skeptical on the first citizen of France. The following excerpt tells us more. There is nothing else we are expecting from this visit. So the only thing I can tell Cameroonians is, if the president of France visit in Cameroon has concerned the food insecurity, that is the food insecurity problem here in Cameroon, then he is highly welcome. If Emmanuel Macron visit in Cameroon has to do with how we can come into a table, discuss, bring up solutions on the crisis that is going on in the north, that is northwest and southwest, then he is highly welcome. These are the two factors that we at the CPRN, we can welcome His Excellency Emmanuel Macron. Apart from that, if there is any other agenda, we are not. I think that is a slap on Cameroonians or an insult to Cameroonians. Civil society and members. Thank you very much. Emmanuel Macron is coming to Cameroon on invitation of President Biya, and we are highly expecting that this official visit of the French president should bring a lot to Cameroonians. You know, the diplomatic relations between Cameroon and France have lasted for a lot of years, and Emmanuel Macron happens to be the fourth French president visiting Cameroon, and you can imagine that Mr. Biya has been in power since then, and he has received four French presidents in this country, and we hope the discussions that they will discuss, that they will both discuss, will help solve some of the issues that we have, especially the insecurity in the Lake Chad, and also to talk about the currency, the franc CFA, of which we are having a lot of problems these days with it, and also he's coming around with three of his ministers, of which are very important in his government. These ministers will also be discussing with ministers in Cameroon in order to do a lot of exchanges and development in our country. Une réaction outre-mer dans ce journal, celle de Sébastien Nadeau. La visite du président français intervient dans un contexte de double crise. C'est donc lui qui le dit, selon l'ancien député de la République française, perte d'influence, inquiétude sur les échanges économiques, surtout avec le Mali qui échappe à tout contrôle français, sont là quelques faits qui entourent cette visite en terre africaine. Écoutons Sébastien Nadeau. La France est en perte de vitesse au Cameroun et compte bien essayer de maintenir sa part du gâteau, si j'ose m'exprimer ainsi, mais c'est comme ça que c'est perçu et construit dans la tête des dirigeants politiques français, dans un Cameroun dont on sait que la présidence de Paul Biya a duré et est à son terme. Et donc la visite du président Macron s'inscrit dans un moment extrêmement délicat pour la France, notamment en Afrique où on sait qu'il y a ce sentiment tri-français montant. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose à faire de la part de la France, c'est de donner maintenant, plus que du discours et de la communication, mais de donner des signes de ce que peut être la France dans une relation intéressante pour un pays comme le Cameroun, pour un pays comme la France.
Donc les échanges économiques sont une partie importante qu'il ne faut pas négliger, mais la question de la démocratie, la question du respect des engagements des uns et des autres, des traités, des conventions internationales, ne peut pas rester indéfiniment sous le tapis. Et ça fait 5 ans que le président Macron est dans le discours, mais n'a jamais, jamais mis la pression sur le Cameroun pour qu'un certain nombre d'engagements soient respectés. Donc cette crise du Southern Cameroun, des séparatistes, c'est quelque chose sur lequel la France aurait dû engager, participer, aider à un dialogue sincère. Pour l'instant, il n'en est rien. Away from the French president's visit, we take you to the southwest region where the newly installed senior divisional officer for FACO has been called to maintain security and promote peace and stability in Limbe. The call was made by the governor of the southwest region, Bernard Okalia-Bilai, during the installation ceremony of the SDU at the historic Alfred Seka Monument, Downbeach, Limbe. Catherine Kone with details. Implementation of the decree that have just been read to you. This is your senior divisional officer. Shaibu is a new senior divisional officer for FACO Division Southwest Region, installed by Governor Bernard Okalia-Bilai. Over the weekend at the historic Afriseka Monument, this new civil administrator has been tasked to maintain peace and stability in his area of command. Important for him. All the issues are very delicate for FACO Division. But the main issues we all know is, first of all, security, peace and order. Limbe is a growing country. It's open to the sea, open to the world. There must be security, order and discipline among all the actors, so that together we can join hands to fight the criminality, to fight all acts of terrorism. So the new SDU is invited to gather all the living forces, all the stakeholders, to rally behind him to continue what his predecessor did, I mean, maintain security, peace and order in Limbe, in Chico, in Muluka, in Boya, in Idinau. The administrator who replaces Emmanuel Ngamba Ludu was born in 1965 and has served as a divisional officer for Nkonsamba, senior divisional officer for Mifid Division, amongst others. He is married with children. Religion à présent, 126 pasteurs de l'Église évangélique du Cameroun consacrés ce 24 juillet 2022. C'est une étape dans le processus de réconciliation entamé en 2021 dans cette congrégation. Pour résoudre la crise déclenchée en 2016 en Ngaoundéré, la prière d'Abraham avant la destruction des villes de la ville de Sodome, des villes de Sodome et Gomorre, est le point d'ancrage de la prédication dite à cette occasion. Léla Rengrange. Certains ont dû attendre 8 ans pour voir enfin ce jour arriver. Ce sont 126 pasteurs stagiaires consacrés au ministère pastoral à la vallée de la Bécéké à Douala. Un événement majeur dans l'histoire de l'Église évangélique du Cameroun qui essaye de sortir d'une crise déclenchée en 2016. Consécration est un moment fort de processus de transition dans lequel l'Église est entrée le 15 décembre 2021. Elle marque, n'est-ce pas, le rassemblement des fils et filles de l'Église. S'appuyant sur la prière d'Abraham avant la destruction des villes de Sodome et Gomorre, le prédicateur recommande à ses nouveaux pasteurs d'être des intercesseurs pour la bonne marche de l'Église et du monde entier. Partout où ils sont, des agents de la réconciliation, qu'ils puissent, comme le prédicateur a demandé, être aussi des pasteurs qui travaillent et qui prient beaucoup. Le processus de réconciliation en cours dans l'Église évangélique du Cameroun et son rayonnement doivent se faire avec la contribution de ces hommes et femmes, nouvellement introduits dans l'univers pastoral. Je suis animé d'un sentiment de reconnaissance au Seigneur, un sentiment de joie, mais aussi de lourde responsabilité au regard de la charge
que vient de me confier le Seigneur à travers son Église. Après le culte de consécration de ce 24 juillet 2022, les responsables de l'EEC se retrouvent ce 25 juillet pour la refonte et l'adoption de nouveaux tests afin d'organiser au mieux cette congrégation religieuse. 12 chefs d'État ont pris part du 17 au 22 juillet 2022 à la 4e réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine. Le Cameroun a brillé par la présence à ses assises de son Excellence Pierre Moukoko Mbondjo, chef de la cellule de mise en œuvre des réformes institutionnelles de l'Union africaine. La réunion de coordination conceptualisée en 2017 regroupe 4 chefs d'État et de gouvernement qui forment le bureau de l'Assemblée de l'Union africaine et les 8 chefs d'État qui président les 8 communautés économiques régionales reconnues par l'Union africaine. Outre les rapports des présidents des différentes communautés sur l'état de l'intégration, l'examen des résultats des négociations en cours entre l'Union africaine et les États membres, on a pu également voir au cours de ces assises l'impact de la crise ukrainienne sur l'Afrique. À l'international, avec nos partenaires de la Voix d'Amérique, saccage et pillage des installations de la MINUSCA à Goma, c'est la conséquence des manifestations organisées à l'appel de la société civile et du gouvernement. Le ministre russe, ça c'est un autre sujet, des affaires étrangères, Sergei Lavrov, est en visite au Congo-Brazzaville après l'Égypte. C'est la deuxième étape de sa tournée africaine et puis on ira au Kenya, et en Tunisie pour la suite de ces informations à l'étranger. Suivez plus tôt. À Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, des installations de la MONUSCO, la mission onusienne, ont été pillées par des manifestants en colère 10 jours après l'appel du président du Sénat, Modeste Bahati, pour le départ des casques bleus après 22 ans de présence sans jamais courber l'insécurité. Le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergueï Lavrov, était à Oyo, dans le nord du Congo-Brazzaville, l'une des étapes de sa tournée africaine. Il a assuré que la Russie n'empêche pas les exportations du blé ukrainien vers d'autres pays en Afrique. Sergueï Lavrov a également annoncé l'appui de la Russie à la démarche du président Denis Sassou Nguesso pour la résolution de la crise libyenne. En Tunisie, quelques 9 millions d'électeurs étaient appelés à voter par référendum sur une nouvelle constitution qui renforce les pouvoirs du président Kais Saied. L'opposition a appelé au boycott, disant que le texte est taillé sur mesure pour revenir à un régime autoritaire. Au Kenya, une trentaine de personnes sont mortes dimanche soir dans le centre du pays après qu'un car de voyageurs a chuté d'un pont. Le car en direction du port de Mombasa, plongé d'une quarantaine de mètres dans la rivière Niti. À l'occasion de la visite officielle du président français Emmanuel Macron au Cameroun, retenez-le, demain on aura un plateau spécial introductif à cet événement et puis SCV retransmettra en direct l'événement depuis Yaoundé. Le plateau spécial commencera dès 11h40 sur cette antenne. Soyez aussi heureux que cela est possible. Madame, Monsieur, fin du journal. Bonsoir et à demain. Bonsoir, Joséphine Bidi. Good night to you, Dipita. Good night to you. Thanks for watching.